Mesdames, Messieurs, Monsieur Maurice Leroy, ministre de la Ville en charge. Ah. D'abord, permettez-moi d'avoir un moment d'hésitation parce que nous sommes dans une période, comme vous l'avez rappelé, un peu délicate. Donc il s'agissait de bien réfléchir. Est-ce une campagne de sondage ou un sondage de campagne? Donc, ayant résolu mon problème, je me range à la vie de M. le ministre en disant « Oui, c'est important que le préfet de région apporte sa pierre, non pas la fable entre la carotte et le léopard, mais tout simplement pour dire que c'est important d'avoir cette manifestation aujourd'hui qui vient ancrer en quelque sorte dans les esprits l'existence de ce travail qui a été fait par un grand nombre de personnes ici réunies pour faire avancer la dimension transport, mais également ne pas oublier qu'au-delà du transport, c'est l'ensemble des villes qui sont approchées ou traversées par ce futur grand métro express qui va se trouver modifié, changé, et qu'il faut pour cela, je dirais, un sens, une vision, une stratégie, et que c'est autant de contrats de développement territorial dont nous avons eu le plaisir de signer l'un d'entre eux la semaine dernière, dont nous allons signer un autre cet après-midi, qui viennent par touches successives, en cohérence et en cohésion, apporter ce mouvement nécessaire pour revitaliser l'ensemble des territoires qui constitueront le Grand Paris de demain. Mais c'est, en disant cela, une erreur de ma part, c'est le Grand Paris d'aujourd'hui. Merci.